Hélène Salahi, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Vous êtes la fondatrice de WebStory. Exactement. Voilà. Alors, je montre un des deux livres que j'ai en main, Une histoire de famille et L'arbre et le miroir. Oui. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que WebStory ? WebStory, c'est un site d'écriture. C'est le site d'écriture suisse roman. Tout le monde peut écrire des textes. J'ai fondé ça en 2012 pour tous les textes qui dorment dans des tiroirs. Parfait. Pour que les gens, il y a beaucoup de gens qui écrivent, oui, qui ont des talents extraordinaires, mais qui ne sont pas publiés parce qu'ils n'ont jamais fait un roman, ils ne sont pas dans ce mouvement-là, mais ils ont tellement de choses à dire et le site WebStory leur permet de publier directement leurs textes. D'accord. Ils peuvent revenir dessus en ligne, ils peuvent corriger. C'est eux qui publient, c'est pas, il n'y a pas d'équipe de rédaction qui filtre. D'accord. Et puis chaque année, on prépare un concours d'écriture, donc on lance. Qui a lieu quand ? Il va être lancé dans une semaine, celui de cette année. D'accord. Avec chaque fois un jury différent, un thème différent. D'accord. Un autre lieu pour la remise des prix, d'accord, qui est en novembre. Et tous les deux ans, on publie les lauréats. Et donc, tout le monde peut participer, en fait ? Tout le monde peut participer. D'accord. Donc, si on n'a jamais écrit sur WebStory, c'est gratuit. D'accord. Parce qu'on peut écrire une nouvelle gratuitement. D'accord. Et il y a les écritures qui continuent. Il y a des gens qui s'y prennent au jeu. Et là, c'est 100 francs par année. Donc, c'est très correct. Ah, c'est génial. C'est très abordable. C'est comme une forme de membre. On devient membre. Oui, c'est comme une cotisation. Une cotisation. Oui. Alors, dites-moi un peu, quel type d'écrivain vous avez sur WebStory ? Alors, il y a des écrivains connus et inconnus. Il y a des écrivains confirmés qui mettent quelques pages pour voir, parce qu'on voit le nombre de lecteurs qui sont venus sur chaque histoire. Donc ça les intéresse. D'accord. Ça fait partie, on est dans un environnement littéraire très tranquille, très intime. Et en français, hein ? En français, mais il y a des textes italiens, anglais, espagnol. Ah, très bien. Parce qu'on peut écrire dans la langue qu'on veut, pourvu que ce soit des lettres européennes. D'accord. Mais ça, c'est ouvert. Mais le concours est en français. D'accord. Et comment se passe le concours, alors ? Je suis écrivaine, je viens publier dans votre site, j'ai envie de participer au concours. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, vous allez sur le site pour voir de quoi il s'agit, le concours de l'année. D'accord. Le jury est toujours composé en fonction du thème. Et puis, vous avez jusqu'au 30 septembre pour mettre votre texte en ligne. C'est toujours des nouvelles. Donc, ça démarre dans une semaine, c'est jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 septembre. D'accord. 30 septembre, tout s'arrête à minuit. Vous ne pouvez plus mettre des... Fini. Voilà. D'accord. Et le jury, il commence à lire. Et ce qui est très spécifique à WebStory, c'est que tous les textes du concours peuvent être lus. C'est incroyable. Ce n'est pas les gagnants qui sont lus seulement, c'est tout le monde. Donc, il y a 30, 40, 50 nouvelles. D'accord. Et tout le monde peut les lire quand il veut. Mais tout le monde peut les lire dans un contexte spécifique ou est-ce que le jury lit finalement les textes qui sont publiés dans WebStory et après fait le jugement finalement pour le concours ? Comment ça se passe exactement ? Alors, tout le monde lit. D'accord. Le jury aussi. D'accord. Il a jusqu'au début novembre pour choisir. Et le public vote son prix du public. Ah, c'est le public qui vote le prix. Il y a un prix du public. D'accord. Donc, il y a trois lauréats du jury. D'accord. Et il y a un prix du public qui est choisi par le public. Donc, ça fait quatre finalement. Quatre. Et c'est pour ça que chaque livre a huit nouvelles. D'accord. Et alors, il y a tout type, j'imagine, de longueur. Ça peut être des nouvelles. Ça veut dire, j'imagine, c'est pas 50 pages ou 30 pages. Est-ce qu'il y a des écrits entiers, des ouvrages entiers de 150 pages qui sont publiés ? Il y a des gens qui écrivent des romans. D'accord. En plusieurs chapitres, donc il les découpe en plusieurs chapitres, parce que la page WebStory est arrêtée à 2000 signes. Donc c'est quand même limité. Oui, mais vous pouvez continuer, vous avez 100 pages à 2000 signes. Magnifique, d'accord. Mais c'est un format où on peut lire, à l'arrêt de bus, on peut lire 2-3 pages, c'est pratique. Et puis pour le concours, par contre, c'est limité à de 15 à 20 000 signes. D'accord. Comme ça fait 20 pages WebStory à peu près. Alors, nous avons un deuxième livre qui s'appelle « Quelle muse m'a piqué ce matin ? J'aurais dû faire marche arrière. » Oui, ça, c'est un très bon concours. Alors, parlez-nous un petit peu de cet ouvrage-là. Alors, le tout premier concours en 2012, c'était « Quelle muse m'a piqué ce matin ?» C'était encore en expérimentation. Et la deuxième année, on a lancé un premier concours, un pré-concours, pour dire, voilà, vous devez nous proposer 6 mots, un incipit qui commence l'histoire. D'accord. Et tout le monde devra commencer par la même chose. Okay. Et c'est les gens qui, après, le jury a pris
trois choix. Mmh. Le jury a choisi encore un et c'est « J'aurais dû faire marche arrière ». D'accord. Et c'est un thème extraordinaire parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mmh. Et ça a donné lieu à des histoires extraordinaires. Le jury, il juge, hein, oui, parce que c'est son rôle, sur quels critères? Est-ce que c'est le français, donc la langue, hein, si c'est en espagnol ou en anglais, enfin, donc le côté littéraire de la langue? Est-ce que c'est la forme? Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Alors, chaque jury a sa personnalité, son penchant. C'est des gens très différents, hein, les gens du tout. Mais ce qui est important, c'est l'originalité. Mmh. Vous pouvez le style, l'originalité et puis l'histoire, en fait, le contenu. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à être fondatrice ou à fonder WebStory? Alors, c'est parti d'une expérience, d'un projet biographique, autobiographique, familial. D'accord. J'ai beaucoup voyagé et j'écrivais des petits flashs d'impressions de ma vie. Mais je me disais, c'est pas un livre que je suis en train d'écrire. Je veux pas quelque chose de chronologique, page 1, page 2, page 3. J'aimerais un outil où on peut écrire dans le désordre, n'importe quand, tout mélanger et mettre des liens sur les pages. Ça veut dire qu'on peut écrire le chapitre 30, le publier, puis le chapitre 1, oui, en fonction de... Et après, vous mettez des liens sur, par exemple, si vous avez un long roman, il y a un événement qui s'est passé dans le premier chapitre. Ouais. Au chapitre 10, vous faites référence à cet événement. Au lieu de le re-raconter, vous mettez le lien pour qu'on aille lire l'événement. C'est assez incroyable ce que vous dites, parce que normalement, quand je dis normalement, il n'y a pas de normes, mais on écrit, surtout si c'est un roman, dans une certaine chronologie, etc. Et là, comment ça peut se passer dans la tête d'un auteur d'écrire le chapitre 30, de le publier, puis après d'écrire le chapitre 1? Là, évidemment, j'extrapole, mais... Oui, en fait, c'est un outil que j'ai créé, un outil d'écriture où on peut écrire en fonction de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent. Bien sûr. Donc des fois, on aimerait un flashback à l'enfance. Ouais. Ben, on l'écrit parce que c'est le moment de l'écrire. D'accord. Mais après, on peut très bien continuer le présent, parler du futur. Mais tout ça, c'est la même personne. C'est le même monde. Et c'est les liens qui comptent. Ce que vous dites me fait penser à un journal intime. Typiquement, on ouvre son journal tous les matins. Hein. Oui. Là aussi, j'extrapole et puis on se dit, OK, aujourd'hui, je vais écrire sur la rencontre que j'ai faite ce matin. Et puis, deux chapitres plus tard, je vais écrire un souvenir de l'enfance. Voilà. Et vous pouvez, dans le premier cas, la rencontre, vous pouvez très bien dire, mais cette rencontre, elle me donne une idée d'une nouvelle. Mmh. Et vous commencez la nouvelle ailleurs et vous mettez un lien. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement marqué? Dans WebStory? Ouais. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, j'imagine que vous devez faire des rencontres extraordinaires. Hein. Alors, j'ai commencé à faire des interviews des webwriters, comme on les appelle. Ouais. J'essaye de... Donc, c'est toujours des gens... Il y a des gens très timides, il y a des gens qui n'ont jamais partagé vraiment ouvertement... C'est ce lien à l'écriture, c'est très intime quand même. C'est très intime. Et je fais des portraits en liant toutes leurs histoires à ce qu'ils me racontent. Hum. Et en fait, dans leurs histoires, des fois, ils ne me disent pas tout. Mais dans l'histoire, dans toutes les histoires, je sens comme une cohérence. D'accord. Et c'est comme un arc qui se referme et qui... C'est comme un ciel. Il y a finalement un lien entre chaque... Toujours si un on lien. Prend un écrivain toujours. Entre le premier roman et le dernier roman, il y a une forme de lien. C'est comme, par exemple, tous les films d'Almodovar, il y a une ambiance. Il y a toujours, bien sûr. Et ben, c'est pareil pour les écrivains. Et on a même Almodovar de l'écriture. Il écrit, on dirait, un film d'Almodovar. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des auteurs que vous avez publiés dans WebStory qui ont été primés au point de faire un film avec un producteur, un réalisateur ou pas encore, on va dire? Non, il y a des webwriters qui publient des livres ici au salon. Sont chez vous, qui sont chez WebStory. Et en plus, sur papier, à l'ancienne, on peut dire ça comme ça. Mais certains, c'est la première fois qu'ils sont publiés dans un livre. En même temps, on dit à l'ancienne, mais enfin, moi, personnellement, je suis très attachée au papier. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le sont. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance, la bibliothèque, le papier, les couvertures, les couleurs. Oui. C'est quand même pas la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien ou comme différence entre tout ce qu'on publie sur le web, dans WebStory, et finalement le papier, déjà un. Et est-ce que le web, c'est l'avenir du livre? Je pense qu'il ne faut pas séparer les deux choses. OK. On écrit, peu importe le support. Ouais. Ce qui compte, c'est l'écriture. C'est l'écriture. D'accord. Et le lecteur. Voilà. Voilà la seule
les deux antagonistes ou les deux complices, c'est ça. Ouais. Le support, après, c'est peut-être un immeuble, un livre, Internet, ça peut être tout. Web Story, c'est un peu comme, si je dois donner une image, c'est comme si toutes les pages d'un livre volaient dans l'air en suspension, ouais. Et que le lecteur, il prend comme ça, il se sert, comme au marché, et il compose ses favoris. Les raisons d'écriture de tous ces auteurs, c'est quoi le point commun d'après vous ? Le point commun, c'est souvent une richesse intérieure, une richesse de vie, des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont envie de partager, ouais. Ou d'exprimer. Ouais. Des fois, c'est un besoin et ça devient un plaisir. Mais ça commence toujours par une urgence, en fait. Est-ce que l'écriture est une thérapie ? Oh oui, ça peut être, bien sûr. C'est vrai ? C'est une thérapie, c'est une expression, c'est un miroir de l'âme, c'est beaucoup de choses. Est-ce que vous-même, vous écrivez parfois sur l'histoire des auteurs ? Est-ce que vous écrivez d'autres choses ? Ou Elena Zaleni, comme auteur à part entière ? J'écris, d'ailleurs je suis en atelier d'écriture maintenant, mais c'est pas ça qui est important pour moi, c'est de donner la possibilité aux autres d'écrire. Donc c'est vous ça. Offrez finalement, vous ouvrez une porte, voilà. À des écrivains méconnus, inconnus, voilà, oui. Cachés, introvertis. Peut-être que ça peut être une grand-mère qui écrit pour sa petite fille en Europe. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, il y a tous les âges. Est-ce que les critères des écrivains ont changé ? Culture, âge, niveau social, appartenance. Alors, j'ai pas de statistiques sur le niveau social ou des choses comme ça. Mm-hmm. Je peux dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui écrivent. Okay. Parce qu'on a tendance à plus s'exprimer ou à plus étaler, entre guillemets, qu'on a moins notre intériorité. De frein à notre intimité. D'accord. Voilà. D'accord. Mais voilà, il n'y a pas de. Les jeunes. Au début, Web Story, c'était 60 ans et plus. Hmm? Maintenant, c'est de 25 à 80. Donc, tout le monde écrit, ça ne se voit pas, l'âge. Ce n'est pas important. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça ? Parce que vous n'avez pas toujours fait ça. Donc, on a envie de savoir qui est Elena Zaleni. Alors, je suis graphiste et spécialiste en marketing. Voilà. D'accord. Donc, il y a quand même un lien avec un site web. Il y a quand même un lien avec la communication. Et vous êtes quand même très orientée vers les autres. Le service. Vers la créativité. Et vers la créativité, l'innovation. C'est la créativité. C'est juste une idée géniale. Ben, c'est dans l'air du temps. C'est... Ouais, mais c'est quand même génial. Parce que moi, pour être très honnête, ouais. Avant aujourd'hui, je ne connaissais pas l'existence de Web Story. Ouais. D'ailleurs, je suis ravie de vous recevoir ici et de faire votre connaissance. Ouais. Et je trouve ça fabuleux. Mais ça prend beaucoup. Ça prend. Ouais. Les gens, ils sont attirés parce qu'ils voient enfin. Un débouché à leur talent, en fait. Ben oui. Voilà. Écoutez, on vous remercie infiniment pour ce moment passé avec vous. Mais merci beaucoup. Donc, voici donc les deux donc, livres. Donc, le troisième sort cette année. Alors, le troisième cette année. Ouais. Donc, voici donc, le troisième concours. Et puis, ben, on espère vous retrouver très, très bientôt, avec un grand plaisir. Ah, et puis, je tiendrai au courant du concours quand mais il sort. Mais bien sûr. Et puis, le troisième livre. Et je crois que comme la relation est très bien passée, je suis sûre qu'on se reverra très bientôt. Oui, on vous remercie plaisir, beaucoup pour ce moment. Moi aussi, merci beaucoup.